Ouais, j'étais au ski. J'ai pas aimé. Ouais. Parce que quand ils m'ont expliqué tout, bah, j'ai pas compris l'activité. Hein. J'ai pas vu tout le plaisir. Hein. Tu sais, on te prend, on te ramène dans la montagne, tu descends. Dès que t'as fini, tu recommences. Tout ça pendant 5 jours. Hein. Pour 1 500 €. Tu sais, il y a des groupes, et moi, je suis dans le groupe des nuls, hein, parce que je voulais pas trop progresser. Hein. Je voulais rentrer chez moi, en fait. Et il y avait un moniteur. J'ai réussi à esquiver jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, le moniteur est venu nous voir, il a dit « Ouais, venez, on va faire la piste bleue, ou qu'on n'a pas trop travaillé, et tout. » Alors que nous, on s'en battait les couilles, tu vois. On lui a dit « Ramène-nous au McDonald's sans contentieux. » Et il a réussi à nous convaincre d'aller prendre le tire-fesse. Et avant de prendre le tire-fesse, il nous dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, si jamais vous tombez les tire-fesses, on viendra vous chercher. » Ben j'espère, mec, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vivre dans la montagne, tu vois. Je sais rien faire, donc si je tombe, c'est sûr que je t'attends. Pourquoi elle a allumé la lumière? J'ai pas compris. On était très bien dans le noir comme ça. Là. Donc du coup, je prends le tire-fesse, je sais pas, je tombe, tu vois. Ça s'est passé tellement vite. En fait, j'ai pris, je suis tombé. Et j'ai attendu le moniteur, il a mis un peu de temps, du coup, je me suis mis sur le côté, je me suis mis en sécurité. Je me suis mis en PLS, hein, pour pas avaler ma langue. Hein. On n'y pense jamais à ça. Et tu sais, pendant que j'étais par terre, là, on sortit, tu sais, un petit chien qui sortait des buissons, tu sais. Un petit chien sauvage que je ne connaissais pas, j'ai jamais vu avant. Et moi, au début, je crois que c'est le chien du moniteur, je crois que le chien allait me sauver, ça. Parce que je crois que je rate trop de films, ça. Tu sais, dans ma tête, le chien, c'était Tintin, ça. Non, c'était Milou. C'était Milou. Et je lui dis, va chercher Tintin. C'était ça la blague, normalement, c'était ça. C'est vrai que ça marche pas si Tintin est déjà là, quoi. Quand tu vas chercher Milou. Hein. T'imagines, Tintin, il vient de voir, faire putain, je peux rien faire là. Je vais chercher Milou, je reviens, peut-être qu'il aurait dit. Ouais, je raconte n'importe quoi. Ouais. Donc je dis à Milou d'aller chercher quelqu'un, tu vois. Et Milou, il a pas capté, il a commencé à m'attaquer et tout. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a mis la misère, il a pris mes gants, il est parti. Il est revenu, il m'a pissé dessus. Avec les gens qui passaient à côté, qui pensaient qu'on jouait, tu vois. Alors que moi, je jouais ma vie, j'étais en galère. Tu vois. Je sais pas combien de temps ça a duré, cette bagarre. Mais je sais que ça a duré longtemps parce qu'à un moment donné, je me suis endormi. Et maintenant, quoi, cette histoire, j'ai un problème avec les chiens. Pas que j'ai peur d'eux, mais j'ai l'impression que les autres chiens sont au courant de cette histoire, tu vois. Les chiens manquent de respect dans Paris, tu vois. Ils passent comme ça, ils font... Ça y est, c'est fini. Merci à écouter, c'était Djimo.